LushiTrap.com. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de LushiTrap Salassini. Je suis Gamerdan à la présentation de cet épisode, 4ème saison, 11ème épisode. Aujourd'hui, nous recevons un artiste aux multiples qualités. Si je ne peux considérer que 4, il est charismatique, social, talentueux et c'est un excellent top liner. Il nous a teasé très récemment le titre Chebalé qui a accumulé plus de 100 vidéos sur TikTok. Et je dois aussi signaler que notre invité a commencé sa carrière dans le groupe Sias Cartel et aujourd'hui il évolue en solo et Chebalé sera son 5ème clip générique. C'est LushiTrap Salassini. It's LushiTrap Salassini. Ni LushiTrap Salassini. Yo, 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 Oko Salani. Mon invité d'aujourd'hui, de son nom d'artiste, Nippy Boy. Très talentueux, il a fait des gros sons comme Yayo, comme CQJF, Sana, et aujourd'hui nous revient avec un son Chebalé. Avant de commencer la discussion, moi je préfère qu'il nous fasse un playback du son, juste une partie du son, et on se retrouve dans le playback. Voilà. Yeah. 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 Oh, tu es des amis de temps. Oh, tu es des champions, les go, pour la Messi. Oh, nous, nos chignes qui moutons. Je te ferai fumer la weed. Tout à coup, il y a NSI. Tout à toka, toka, chile. Tout à banana, mon bitch. Ce soir, on va dépenser. Yeah. Chebalé, quoi ton année, ville poste. Ville poste. A chaque fois, on y a fait des sapas TikTok. TikTok. Je vous l'enjoins, dis-moi si tu veux la balle. Tu sens que pique un goma bien à DJ Boss. Chebalé, Chebalé. Chebalé, Chebalé. Chebalé, Chebalé. Chebalé, Chebalé. Chebalé. Bang, bang. Chebalé. 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 Ah, c'est lourd, hein. Yeah. C'est lourd. Chebalé. Chebalé. Yeah. Chebalé. Hey. Même si que je suis un mec toxique. Parce que je pense qu'au pif, donc zéro story. Yeah. J'ai gagné respect dans la street. Je suis pas un mec ici, pas de courtoisie. Yeah. Ouais. Mais j'aime t'embouler quand tu check sur moi. Les yeux rivés sur moi comme une sorcière. Je suis alcoolé, je veux pas y penser. Je suis pas un novice, tu vas faire des pensées. Baby girl, j'aime te voir danser sur la piste quand tu déhanches. Tu déhanches. Je respecte ton gadget, moi je te piche les yeux sur tes hanches. Chebalé, 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 Chebalé. Ra. Gros son Nippy Boy, Chebalé. Wabuando. Un titre que j'aime beaucoup, Et waouh, trop fort. Déjà moi en début d'émission, je kiffe. Je me dis, on continue, on refait les playbacks jusqu'à la fin ou... On est fort. Trop fort le son. C'est un Nippy, comment tu vas? Tu dis? Comment tu vas? Moi ça va et toi? Ouais, tranquille, bien arrivé chez nous. Ouais, merci beaucoup, merci pour l'accueil. Ah, merci frère. Nouveau décor. Ça fait à peu près 5 ans que t'es pas venu. Depuis... Non, 2 ans. Non, depuis 2011, t'es pas venu à LushiTrap. Non, ça fait 2 ans depuis 2021, à la sortie de CQJF. Non, chez nous, on compte pas le 2, on compte que des 1. Donc en 2021, c'était 2011 chez nous. Ok. Donc bon, depuis 2011, t'es pas venu. Ça montre que c'est la maison, je suis encore là. Ah ouais, après CQJF, t'es pas passé. Sinon, comment s'est passé entre cette période-là, CQJF à Chebalé? Ouais, c'était pas facile, c'est pas toujours facile. Ouais. Il y a eu des problèmes d'engrenage, tu vois, avec les games. Ouais. Mais on essaie de s'en sortir. Ouais, déjà, CQJF, le clip a dépassé les 38K, il y a eu en featuring K. Le clip a dépassé les 75 000 vues sur YouTube, bien sûr, je dois te signaler. Mais après, on a remarqué que la courbe a fortement baissé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Sana, c'est un bon son. Moi, perso, je kiffe le top line, le texte, le clip, tout est parfait, mais niveau YouTube,
c'est pas le même résultat que CQJF. Qu'est-ce qui s'est passé, frère? Bon, premièrement, je pense que le morceau ne se résume pas qu'au vu sur YouTube. Parce qu'il y a un des sons que j'ai déjà fait que beaucoup de gens connaissent. Wana souple nambunya nibalo jibalo, tu vois, c'est mon morceau. Okay. Mais quand tu regardes sur YouTube, il a un cas. Jamais deux cas. Mais ce son, il passe partout. Pourquoi tu l'as pas clippé? Parce que Nippy Boy, t'as la réputation de l'artiste qui fait que des beaux clips. Non, c'était une collaboration avec plusieurs personnes. Il y avait le Metech, il y avait le groupe Silas Cartel et il y avait DJ Zepé. On devait se mettre sur un point pour pouvoir le clipper, mais c'est passé. Mais quand même, le son joue. On l'a fait en remix avec Franck Matto et DJ Spilolo. Oui. Peut-être qu'il va sortir en clip. Parce que moi, honnêtement, ce son, je l'écoute. Ouais. En soirée, il joue partout. Il joue, mais c'est toi qui viens de m'apprendre que c'est ta chanson, tu vois. Mais va sur YouTube, tu écris Silas Cartel, parce que tu sais bien que je viens de Silas Cartel, ouais, c'est mon groupe. Ouais. Gros big up à tous les anciens membres de Silas Cartel. On les aime beaucoup. Paix à son âme, que Roboula. C'était un pionnier du groupe. Que fou, paix à ton âme, mon frère. Yeah. Ouais, après, tu disais que le succès ne se résume pas qu'à YouTube. Mais après. Ouais, mais à part ça, tu vois, c'est vrai, le son. Comme tu as dit, comme Sana et elle, oui. C'est un peu algorithmique, ça. C'est moins que Yayo et CQJF. Ouais, parce que comme je disais, il y a un problème d'engrenage avec le game. Oui. Il y a eu des histoires qui ne marchaient plus bien avec mon équipe. Okay. J'avais plus une équipe trop stable, donc c'était un peu compliqué. Du coup, je pouvais plus faire la promo comme je le faisais et les choses avaient vraiment changé. Ouais. Je devais m'adapter, me réadapter en fait. Ok. Ouais. Alors, Nippy Boy, au niveau visuel, tu renvoies que de la qualité. C'est ton équipe qui choisit les réals, c'est toi qui écris les scripts, ou c'est. Je sais pas comment ça se passe. Qui décide de. Qui filme ce clip? Non, je travaille avec plusieurs réalisateurs comme Jackem, Danny Baron. Oui. J'ai pas. Bon, Jackem, Danny Baron et Fadj. Mais chez Balé, c'est Ivan Kavou. Ouais, c'est Ivan, c'est mon quatrième réalisateur, si je peux le dire. Donc, j'ai. Travaillé qu'avec quatre réalisateurs jusque-là. Ok. Et plus avec Jackem, on était trop synchro. Oui. On s'est partagé des idées, mais moi aussi, j'ai mes propres idées. Tu vois, quand je fais mon morceau, au départ, j'ai une idée sur ce que je veux faire. Ok. Et après, je peux donner le son au réalisateur. Il peut ramener ses idées. Après, on essaie de collaborer, on essaie de mélanger les deux idées, on voit ce que ça donne. Ouais. Bon. Par exemple, pour chez Balé. Chez Balé, comment ça se passe? T'appelles Ivan ou c'est Ivan qui dit le clip, le son il est lourd, je dois clipper ou c'est non, toi qui l'appelles? Ivan devait me produire un clip. Ok. Ouais. Il devait me produire un clip il y a longtemps. Alors j'ai pu faire. Il a commencé à me dire, regarde, c'est comment ça traîne. Tu vois, ça a un peu traîné. Oui. Après j'ai pu l'envoyer le son. Il a dit que c'est bon, ça marche, on peut clipper ce son. Après on a commencé à partager des idées. Après on est passé en mode répétition. Il y a une danseuse qui s'appelle Eclipse qui a pu nous faire la chorégraphie. Et après ça, on a fait des repérages des sites ensemble. En même temps qu'avec Ivan, on a trouvé où tourner et on a sensibilisé tous les figurants. Ok. Yeah. Donc c'est du 50-50. Je ramène mes idées, je ramène ses idées. Ouais. Des réalisateurs au grand cœur comme Ivan Kavour. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, ça c'est un frère pour moi. Ouais, lourd. Et Nippy, dans tous tes clips, au début, à la fin, il y a Mythe Empire. T'es encore signé chez Mythe ou c'est Mythe ta maison de disque ou ton label? Non, moi j'ai jamais signé avec Mythe, il n'y a pas de signature. Mais Mythe, c'est une famille pour moi. Ouais, c'est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps, j'ai appris beaucoup de choses. Ouais. Donc c'est un peu ça. Pour moi, Mythe, c'est pas un label seulement. Ouais. C'est pas un label pour moi, mais c'est une famille. C'est une famille. Je suis des Mythe. Si par exemple, supposons que Mythe, aujourd'hui on est bien structuré, on peut. Donc moi je suis Mythe en fait. Ouais. On peut dire ça. Ça veut dire que s'il y a des artistes, ils peuvent signer chez Mythe. Mais moi, je ne peux pas signer chez Mythe. Moi, je suis Mythe. Ah, ok. Toi, donc, ils signent, vu que tu es Mythe, ils signent chez toi. Ouais, donc, on signe chez nous à la maison. Mais tu peux signer chez toi. Moi, je peux signer chez moi. Alors, frère. Ouais, quand tu signes avec moi sur un contrat, il y aura ma signature et ta signature. Ouais, alors, comme une fois, je me rappelle, il y a un artiste, c'est un pote. Je ne sais pas ce qu'on devrait faire, mais je lui ai dit, il faut qu'on voit une épi. Il me dit non, t'inquiète. Je lui dis, mais j'ai pas. Je l'appelle, ça passe pas. Il me dit non, t'inquiète. Si on va chez Mythe, on va le trouver. Ouais, c'est bon. Donc je suis là en permanence. La plupart du temps, je suis là. Chez Balé, déjà le challenge TikTok a cumulé plus de 150 vidéos. Hein.
C'est trop fort, plus moi je kiffe. Plus ou moins. Ouais, c'est trop fort. Et on prend le clip. On peut visualiser le clip, ça dérange pas. Chez Bali. Quand on a une ville poste. De retour sur ce plateau de Lushi Trap Salassini, chez Bali, beau clip, belle Corée. Pour moi, tout est parfait, frère. Merci. Wow, trop fort. Alors, Nipi, chez Bali, Ville Poste, quoi, ton année, fais pas ta faire comme sur TikTok, un truc comme ça. Ouais. Mais au fond, moi, perso, quand j'ai vu le challenge, chez Bali, moi, je me suis dit, ouais, Nipi Boy, tout le monde le connaît. Mais comment il est en mode chez Bali? Pourtant, tout le monde le connaît. Non, c'est chez Bali, tu vois, comme les... quand tu écoutes bien le morceau. Ouais. La plupart du temps, moi, je chante mes chansons un peu conscientes, mais un peu, en même temps, un peu chill. Ouais. C'est en mode chill. Ouais. Chez Bali, on arrive, on chill. Après, tu vois, genre, chez Bali, quand on a une ville poste, ouais. Donc, je suis en train de dire à une meuf, viens qu'on se capte, on peut chiller ce soir, tu vois, un truc du genre. Ouais. C'est pas dans le sens où je me ramène dans les games chez Bali qu'on envoie, non. Ouais, parce que moi, je me dis, t'as fait un... Bon, entre elle et chez Bali, il n'y a pas beaucoup de temps. Mais entre le dernier son et elle, le son avant elle et elle, il y a eu beaucoup de temps quand même, tu vois. Je me suis dit peut-être qu'il annonce un retour dans le game et tout, tu vois. On n'est jamais parti, on est toujours dans le game, ouais. Tu vois. Tout ce temps, ça ne veut pas dire qu'on ne bosse pas. On fait beaucoup de trucs, on enregistre, on essaie de trouver de nouvelles inspirations. Surtout... Le premier contenu musical, c'est le son, tu vois. Ouais, c'est donc, le quand il n'y a pas ouais. de son, on ne peut plus rien faire. Il n'y a pas de clip, il n'y a rien. Et dans le son, tu es en train de dire quelque part, viens, attends, je lis, tu dis ce soir, on va dépenser. Est-ce que tu peux nous rassurer qu'un artiste à Lubumbashi peut vivre de sa musique s'il n'est pas une superstar? Déjà, on vit, c'est grâce à Dieu. Mais vivre de la musique, c'est compliqué. C'est compliqué, okay. Vivre que de la musique, il faut s'investir à 100% ouais. pour pouvoir vivre de la musique. Mais je connais des artistes qui ne sont pas des superstars. Qui vivent de leur musique. De leur musique, okay. Oui. Mais ce n'est pas une vie de rêve, tu vois. Ce n'est pas une vie les artistes, on rêve. Donc, on essaie de s'en sortir. Ouais. Mais musicalement, ça ne paye pas encore parce qu'on n'a pas d'industrie qui est instaurée ici à Lubumbashi. Peut-être à qui ne soit un peu plus en avance. Mais ici, on essaie de s'en sortir encore. Et moi, je pense que c'est pour ça que Dieu nous envoie des gens au grand cœur comme M. Glory Mitéo, qui sont là pour soutenir certains artistes, certaines émissions. Ouais. Il y en a de ces gens qui, comme M. Glory. Oui. Moi, je l'appelle toujours M. Glory, il est là. Il y a d'autres personnes aussi qui sont toujours là pour soutenir les artistes, parce que sans ces gens de personnes, ça sera compliqué parce qu'on ne stream pas comme il faut, on ne vend pas des disques d'or, on ne fait pas des super concerts, tu vois. C'est de temps en temps, t'es booké, showcase, il n'y a rien de spécial. Ouais. Donc... On s'accroche à nos rêves. Lourd. Ouais. Alors, parle-moi de ta collaboration avec DJ Boss. DJ Boss, la plupart du temps, je suis avec lui. Vu qu'on est, nous tous, des Mythes, on est toujours chez Mythes. C'est notre studio, on est là en permanence. Ouais.
Et là, ça, c'est pas la première. On a pu faire d'autres sons avant, comme il y a des sons qui sont jamais sortis. Je sais pas, tu as écouté Yayo au début. Tu n'as jamais remarqué qu'il y avait un son là qui commençait, mais c'est pas Yayo. Oui. Quand on commence là et tout, au début, la meuf, elle vient à la voiture. Il y a un son qui tourne et tout. Il y a un son qui tourne en bas. Okay. C'est le premier son que j'ai fait avec DJ Boss. Mais il n'est jamais sorti ? Jamais. C'est un peu, c'est un drill de ouf. Mais balance IP en vite, mon fit. Bon, on verra quoi faire. Vu que peut-être qu'on a, je pense qu'on a perdu le projet, mais j'ai tous les textes en tête. Mais t'as le texte, il a la prod. Ouais, c'est comme ça, Boss. J'ai travaillé avec lui sur ce projet-là. Après, on a réessayé quelques projets. Mais là, j'avais une prod que j'avais téléchargée. Oui. Juste pour m'inspirer. Et après, j'ai essayé d'enregistrer avec lui. On a enregistré, on a vu la vibe était bonne. Et du coup, on est passé aux choses sérieuses. Tu vois, on a mis ça maintenant en mode sérieux. Il a pu refaire une bonne prod. Oui. Voilà, c'est que ça donne. Et je ne sais pas si quelqu'un va me contredire, mais le résultat, il est trop lourd. Yeah. Trop lourd, moi, j'aime. Et quels sont les records que tu attends de ce son ? Tes attentes, au fait, dès que tu sors le son, quelles sont tes attentes par rapport à ça ? Surtout le son, je ne m'attends pas à... À grand-chose. Pas à grand-chose, mais des fois, j'ai fait des sons parce que j'aime ça, au départ. Mais là, je suis passé en mode... Business. Business, tu vois. Ouais. J'essaie de servir mes clients qui sont mes fans. Oui. C'est mes clients, mes fidèles clients. Oui. Donc, j'essaie de me surpasser et de remonter mon audience. Donc, d'avoir beaucoup plus que j'ai eu avant comme résultat. Je crois que bientôt, là, en club, c'est chez Bali. Hein? Bah, moi, je vois ça loin. Ouais, chez Bali, un titre plutôt dansant. Et Nippy Boy, moi, je te connais sur de la trap. Dis-moi, t'as fait de la mapiano parce que c'est tendance ou c'est parce que c'est ça, c'est comme ramener à table ce qui se mange, voilà. Amapiano, c'est le rythme de l'instru, mais ouais. Le flow, je pense que ça reste moi. C'est même ni trap, ni drill, ni quoi. C'est mon flow, tu vois. C'est une épée. Ouais, il y a beaucoup d'artistes qui ont sorti des sons Amapiano, mais qui ont essayé de sortir dans leur zone de confort. Oui. Mais moi, j'y reste dans ma zone de confort, tu vois. Donc, rien ne change pour moi. C'est un style qui est en train d'entendance et tout le monde veut entendre ce que je peux faire sur Amapiano. Oui. Voilà, j'ai proposé ça et j'attends la réaction du public. Ouais. Déjà, Amapiano, titre dansant. Et au début, tu as parlé de... J'ai oublié le nom, désolé. La qui a créé la Eclipse. Eclipse Four, oui. On peut prendre une vidéo d'elle d'abord. Ok, on peut voir. Big up à Eclipse, tu fais bien ton travail, on aime ce que tu fais. Et puis Eclipse, c'est la fille qui est devant dans la vidéo. Oui, oui, c'est elle-même la chorégraphe principale, donc la chorégraphe, disons. Moi, j'ai envie de comprendre comment les gens font leur chorégraphie. Tu vois, comment t'es chez toi, tu écoutes un son, tu imagines une danse. Mais il y a un danseur qui m'a dit que c'est comme les artistes, au fait. Toi, tu écoutes une prod, tu imagines des paroles. Eux, ils imaginent des gestes et tout. Et puis ça marche. Ouais, ça va de pair, la musique, la danse. Toi, ouais. Tu sais pas danser ? Pas du tout. J'imagine des trucs, mais mon corps n'obéit pas, tu vois. Moi, je danse maintenant. Hein, donc, ne vous étonnez pas si vous me voyez dans un clip en train de danser. Pique à ma bord et tout. Ah oui. Alors, parlant de danse, comme j'ai annoncé il n'y a pas longtemps, très récemment, l'équipe de Chitrap a effectué une des descentes à la base des Pitbull, dirigée par Tate Miff. Du coup, on leur a fait un reportage sur le groupe, la musique, comment ça se passe et tout. On prend cet élément et on se retrouve juste après. Ok. Ici Ted Smith, Pitbull et que le Via Ratakate, donc Ted Smith et le Pitbull. Donc vous connaissez déjà dans le Shit Trap. Donc aujourd'hui,
une visite de Lushi Trap chez nous où on répète avec toute mon équipe, le Pitbull. Donc c'est bien Ted Smith, Poilou, Bruno Lado, Nokia Chombo, Pasta. Donc ils sont vraiment très nombreux. On aura le temps peut-être de les découvrir. Red Makwikwi, Jean-Luc. Donc on est là, le Pitbull Kids, le Pitbull Bakolo représenté. Merci. Créer un groupe de danse m'est venu à travers un film, vu que j'aimais déjà danser dès mon enfance. J'aimais imiter Michael Jackson, Chris Brown, Usher, Matt Pokora, tout celui qui danse vraiment et en train de chanter. J'ai Mirazo Pena pas quand j'ai imité. Et à travers le film Abitouke, je me suis dit pourquoi pas aussi avoir un groupe. En 2006, directement, j'ai su quand même faire un groupe avec mon ex-collectif du Cyclone Rouge, que les vrais Lushua Tena Banzaman et Banayo Batakumbuka, Cyclone Rouge, groupe de danse, moi et quoi vraiment, super, ton abéba ma trophée, ton fanya histoire, moi, Mouzourisan. Un groupe vraiment à respecter. Et après, quand il y a eu cette division avec le Cyclone Rouge, j'ai pris l'idée de changer encore l'idée, comprenez la tautologie, donc, idée à quoi élargir vision d'une autre manière, et par là, ton fanya Pitbull. Pourquoi Pitbull? Parce qu'un Pitbull, il est fort, il est puissant. Un Pitbull n'abandonne jamais. Un Pitbull a la détermination. Donc dans la vie, nous avons beaucoup des épreuves. Il a demandé qu'à tout abandonner, tout être trop déterminé. Et par là, j'ai eu l'idée. Kucheza en solo, c'est bien. Mais Mimi n'a pas vraiment quand on a Kucheza mon collectif. Vite, on a Kucheza n'a pas Pitbull. Chez vous, tout le monde a créé chorégraphie. On a fait un insuel, S'il faut une côté danseur rang sur 10 par chaque danseur, c'est encore un peu difficile parce que mine ka coach moi ne kala ka rigoureux. Micha Pachara ta danseur rang 10 attaché comme moi. Mais dans le groupe, il y a déjà ba danseur ça ba Ruel poids lourd et comme mon mouvement depuis 2017, vous imaginez. Donc une expérience ya mingi mo ba Nokia Chombo, mo ba ntong ça ba makwikwi. On a traversé na bon matin à mingi sans ton chaise. Donc mais quand tout le monde a une synchronisation, il n'en fera bien. Mais leur côté, il y a un peu divine, il n'y a pas de danse, il y a un Pitbull. Tout le monde considéré comme étant une doyenne, de sorte qu'il a dû se sentir très motivé. Je ne sais pas ma côte, mais il me motivera toujours. Ouais. Donc, ma souvenir du Hachiba Pitbull, il y a beaucoup de choses. Tu as fait un mingi sana et puis minene. Tu es Katanga Awards comme étant le meilleur danseur. Donc, de Lubumbashi, tu as fait un mingi, ma concert. Donc, bintu bigu trop sana. Tu fais tes nagwangaria. Bitawa tes mingi sana, coupé ta mobile mouchoué waka. Tu lui feras pas bon. Ma souvenir, il y a trop. Ma visibilité à mingi sana, ma clip, ma nini. Hein? Ma Pitbull beau parle toujours. Mambo te calme, sois le mumbuele. La pain.
avant création, il y a Pitbull, pourquoi vision. Dans les visions, une vision moins claire. Donc, il a fait partie de ma ambition, de ma objectif, de ma détermination et le tournage. Donc, tout besoin de représenter, d'enseigner tout sur le plan local, national, international. Et sûrement, aujourd'hui, mon Lubumbashi, quand je suis Pitbull, peut-être, je ne sais pas, mais quand même sur 100%, 90% de personnes, Banayua. Donc nous pouvons dire sur le plan local, Banayua. Alors, c'est vous vraiment de nous donner encore plus la force, tout répéter ma condition, Mouzouri, tout répéter Namasson, Mouzouri, tout répéter. Donc, ma condition, Mouzouri, on a déjà sa fâche, Mouzouri, équipement, Mouzouri. Il y a une Pitbull, au télé, Mounon. Donc, Pitbull, tout coubadé, trop fort. Donc, chaque fois, souci d'abord, il faut répéter ma condition. Il y a bien, en étant leader en mouvement, il est ma difficulté. Je suis bien moi, ma fan, betou. Moi, je suis mon appendage à travers, ma fan, ma soldat, ma bote, ville, ma parle, ma fan, yabo. Moi, je mon appendage à honorer. Je dois atteindre ma objectif et tout, ma ambition et tout. Donc, cela veut dire, il faut toujours répéter ma condition, Mouzouri. Donc, bantou, tout le monde a répété mon caravia, mais équipe, on a tout à Katouba, Jekamine. Kenya, équipe, on a tout comme différents coins à ville. Donc, il faut des transports, il faut les tenues des répétitions, il faut une bonne place de répétition. Donc, là, on a lancé un message. Merci. Moi, je vais consulter Pitbull, passer par mon équipe de management. Vous allez retrouver déjà Josh, les 099 17 22 320. Allez aussi sur ton compte Facebook, Instagram, TikTok. Je vais vous donner un message, ma critique, positif, négatif. Il n'y a pas de faire vraiment bien. On vous aime bien. Zéro. Niki Toutoukoulou, qui t'en ouvre la charisme. Inibor. Bon, envoie tout. Comment t'as trouvé le reportage? Moi, je trouve ça intéressant. C'est de nouveaux trucs qu'on n'a pas l'habitude de voir. Des grandes plateformes comme le Shit Trap et d'autres plateformes à venir sur place pour voir comment les artistes se mettent au four et au moulin pour ressortir quelque chose. Quand tu es prêt, dis-nous. Hein, comme ça, on se ramène au studio et tout. On voit comment ça se passe. On est là, no stress. En plus, là, après, là, j'ai une séance en studio. Oh. Alors, et quelle est ta relation avec Ted Smith? Parce que lui aussi, je le vois chez Meet et tout. Bon, la majorité des personnes disent que Ted Smith, c'est mon grand frère parce qu'il y a apparemment il y a une ressemblance, mais c'est aussi un de mes frères avec qui j'ai beaucoup évolué parce que lui aussi, c'est sa maison, tu vois. On vient de Meet, nous tous, c'est nos origines, tu vois. On a passé beaucoup de temps là-bas, il m'a appris beaucoup de choses aussi. Donc, on est vraiment proches, si je peux le dire. D'accord. Nappy Boy, j'aimerais qu'on fasse un petit jeu, mais le titre du jeu, c'est « Est-ce que tu connais ta musique ?» Musique, ma musique. Je connais ma musique. Ouais. Tu connais ta musique? Tu vas me le prouver dans le jeu. On y va? Ok, let's go. Le son chez Ballet a combien de minutes? Pas plus de 3 minutes. Pas plus, pas moins, c'est pas une réponse. Plus ou moins. On a chine. Tu dis chez Ballet combien de fois dans le refrain? 4 fois. 4 fois? Ouais, j'ai réfléchi. Il y a exactement combien de figurants dans le son? Bon, il y a au moins 8 danseurs, dont 4 danseurs et 4 danseuses. Après, il y a d'autres figurants. Il y a Moose Beat, il y a BY, il y a DJ Boss, il y a les filles. Il y a les filles. Mais je peux compter, si tu veux que je compte. Mais t'as 10 secondes. Tu me déconcentres. Allez, si t'as tout ton temps, si c'est plus un jeu, tu connais plus ta musique, tu vois. On la chine. Quel est l'âge de ton réalisateur? De chez Ballet? Ouais. Je sais pas. On la chine, tu connais pas du tout ta musique, tu connais pas les gens avec qui tu travailles. Ah, c'est quand important. Même triste. C'est important de savoir tout ça. C'est très important, je te jure. La session d'enregistrement a pris combien de temps? Si tu l'as faite en plusieurs séances, t'as fait combien de séances? J'ai fait 3 séances. Donc, première séance,
première séance, j'ai enregistré seul, juste le refrain. Deuxième séance, j'ai mis le couplet. Ok. Et troisième séance, je devais mettre le deuxième couplet. Oui. Du coup, il y a le gars Kenny, le gars avec qui je collaborais, un frère. Ok. Kenny Benxo. Ok. Il était là au studio, il avait une séance juste après moi. Oui. Et du coup, il est tombé pendant que j'ai travaillé. Il y avait une bonne vibe, on a pu collaborer sur ce son. Je lui ai laissé quand même assez de l'espace pour faire du sale. Et il a fait ça bien. Obligé, c'est un bon. Ouais, lourd. Le tournage du clip a pris combien de temps ? Un mois. Un mois ? Qui est la chou ou n'a pas le tournage ? Qui est la chou ? Non, ça demande de l'organisation, tu vois. Ah, okay. Toi-même, tu sais, quand moi je fais un clip, j'aime pas me louper. Donc j'ai pris tout mon temps. On a fait la première prise, c'était en décembre, je pense les 10. Après, on a fait les 17. Les prises n'ont pas tenu. On a pu refaire d'autres prises après. Okay. Ouais, lourd. Si tu devais faire un remix, tu inviterais quel artiste ? Artiste Ted Smith. Ted Smith ? Ouais. Ah, il faut me faire une vidéo à danse, hein ? Pendant qu'on boit quatre dans tous les sens. Et le clip a combien de scènes ? Quatre. Quatre scènes ? Mm-hmm. La première ? La première, c'est à Kaloubo Lodge. La deuxième ? La deuxième, chez Ivan. La troisième ? Sur une station. La quatrième ? C'est en route, mais la quatrième, on a supprimé ça. Donc, il y a trois scènes dans le clip, on a fini. t'as mis combien de tenues dans le clip ? Trois. Trois ? Ok, tranquille. C'était quoi le truc le... Bon, en fait, la scène la plus difficile à faire dans le clip ou la prise la plus difficile ? Genre le truc le plus difficile à faire dans le son ? Ce qui est un peu compliqué, c'était pour faire la dernière prise. Oui. Ouais, ça nous a pris quand même du temps. On avait un petit problème avec le matériel, mais on a pu faire ça avec un léger retard. Sinon, le clip sera déjà sorti il y a longtemps. Ah, ok. Je pense que vous avez suffisamment de détails sur le son Chebalé. Alors, allez écouter le titre. Chebalé disponible sur YouTube et partout. Streamez, aimez, partagez si vous avez kiffé. Je suis sûr que vous allez kiffer. D'ailleurs, c'est un très bon morceau. Nippy Boy, on prend une petite pub et on se retrouve juste après. De retour sur ce plateau de Lushi Trap Salasini, nous sommes toujours avec Nippy Boy pour la promotion du titre Chebalé. N'oubliez surtout pas d'aller l'écouter, suivre le clip sur YouTube et laissez-nous un commentaire parce qu'on sera très heureux. Alors, Nippy Boy, après avoir sorti le titre Chebalé, le clip est disponible. Bon, il est d'abord en exclu chez nous, Lushi Trap, et quand il va être disponible le dimanche, dis-moi, qu'est-ce que tu as prévu pour le faire circuler encore plus ? Principalement, je vais essayer de faire une tournée médiatique. Okay. Essayer de faire des promotions d'une manière que je ne l'ai jamais fait. Bon, pas me casser la tête, mais essayer de faire une tournée médiatique afin de découvrir de nouveaux fans, de remonter aussi mon audience. Parce qu'avec les réseaux sociaux, ça marche déjà. Ce n'est pas compliqué. On sait comment ça marche. Il y a des pages, des collaborations, on peut faire ça. Il y a des TikTokeuses, des TikTokers. On peut gérer ça comme ça, mais... Plus, je voulais être trop média. Oui. Yeah. Communiquer trop avec le public. Lourd. C'est très fort ce que tu dis parce que tu sais, la vie ne se limite pas qu'au réseau. Mmh. Il y a aussi la télé, la radio. Les gens, ils aiment trop ça. Très important. Dans la voiture, on peut écouter et puis ils kiffent. Ils chasament le son, tu vois. Ouais. Alors, Nippy, on tombe déjà vers la fin. Un dernier mot pour le public et tout. Ouais, dernier mot. Juste que cette année sera différente. Si Dieu nous accorde, tu vois, le souffle. Ouais, ça sera différent parce que je vais sortir peut-être un EP. Je suis sur le coup déjà. Si tout se passe comme prévu, on aura un EP d'ici le mois de juillet. Ok. Et il y aura beaucoup de clips. Je pense que je peux clipper tous les EP carrément, déjà ma car et tout. Il faut faire parler de la musique de Lubumbashi. Man. Ouais, ça sera trop sale cette année. Donc il y a beaucoup d'énergie en nous, en moi et en mon équipe. Donc, on va essayer de donner des notes meilleures pour que cette année soit différente des autres. Ouais, trop fort. Et comment le public, il te contacte ? Ou les bookers, comment ils te contactent ? Pour le booking, je travaille encore avec mon ancien manager, Vavis. Okay. Il est là. On est passé de manager en booking. Donc, c'est lui qui gère le booking. Donc, pour le booking, contactez Vavis Scott. Et pour me contacter, sur Instagram, Nippy Boy. Nippy Boy ? Nippy Boy. Epel, man. Epel. Nippy Boy. Epel, N-A-E-P-P-I. N-A-E-P-P-Y. P-P-Y ?
P-P-Y-B-O-I. Pas I-M-I-I. I. I, Nepi Bois. Nepi Bois. Comme Nepi Bois. On boit. Yeah. Yeah. On boit. Let's go. Nepi Bois. Qui est mort, boit. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Merci pour l'accueil. J'étais ravi d'être dans votre émission. Ouais. Ouais, j'étais bien gâté ici. Tu vois. Je bois quelque chose. Nepi Bois, frère. J'en bois. Ouais. Wagwan. Wagwan. Alors, c'était le Shit Rap Salassini, 4e saison, 11e épisode, présenté par Gamer Dan. Aujourd'hui, nous avons eu le réel plaisir de recevoir Nepi Boy sur ce plateau pour faire la promotion du titre Chez Balé, qui est d'ailleurs disponible partout et le clip est disponible sur YouTube. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à nos pages Instagram, Facebook, YouTube, le Shit Rap. Et la phrase de la fin, la force est maintenant, après c'est le suçage. Peace. C'est Lushi Trap Salassini. It's Lushi Trap Salassini. Ni Lushi Trap Salassini. Yo, 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 yo. LushiTrap.com.